Bonjour à tous. Encore une fois, on est réunis pour passer un temps dans la parole de Dieu. Il était tellement bon dimanche dernier d'être en mesure de se rencontrer ensemble en chair et en os. Ça a été un bon temps de partage, un bon temps d'adorer notre Dieu ensemble corporellement. Et aujourd'hui, nous allons simplement passer un petit temps ensemble avant de se rencontrer ce soir sur le Zoom et puis de discuter justement de qu'est-ce qu'on va partager ici aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est simplement de considérer les bons riens. C'est un terme qui peut engendrer un petit peu de confusion peut-être, mais je veux clarifier les choses. Il y a des bons riens dans les Écritures. Mais la plupart du temps, lorsqu'on pense à des bons riens, ça a une connotation plutôt négative, n'est-ce pas? Les pensées qui nous viennent en tête, c'est quelque chose de futile, quelque chose d'inutile. On équivaut ça à bon à rien. Et puis, même, on peut avoir la pensée que c'est quelque chose de pitoyable, de méprisable, ou lamentable, de déplorable, lorsqu'on pense à bon rien, à des bons riens. Parce que là, la pensée qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose, ça l'indique que c'est une bagatelle, c'est bon rien, ça a l'équivalent numérique de zéro, on pourrait dire, n'est-ce pas? Quelque chose qui est zéro, qui est bon rien, qui n'a aucune vraiment valeur, qui est nul. Donc, on peut également associer quelque chose qui est bon rien comme quelque chose de pénible. Et souvent, malheureusement, on a tendance de penser aux souffrances, que ça peut être quelque chose de banal, quelque chose de pénible, quelque chose de bon rien, mais à travers les Écritures, on voit que la souffrance fait son œuvre, n'est-ce pas? À travers les épreuves et la souffrance, Dieu accomplit une œuvre. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble, prendre un instant pour examiner les bons riens qui sont mentionnés, qu'on pourrait dire, dans les Écritures. Et puis, j'aimerais au moins commencer avec un bon rien qui est flagrant dans les Écritures. Et ça, c'est le fait qu'on doit reconnaître que rien n'est impossible à Dieu. Et ça, je dirais, c'est un bon rien. Rien n'est impossible à Dieu selon les Écritures. Et si vous tournez avec moi dans Luc 1, et puis, juste pour nous mettre dans le contexte, vous connaissez très bien l'histoire, le récit ici qui nous est donné par Luc concernant Marie et concernant Élisabeth. Et puis, ici, Marie reçoit une visite de l'ange Gabriel, n'est-ce pas? Et puis, il lui annonce, il dit, lorsqu'il rentre chez elle, il dit, « Je te salue, toi. » à qui une grâce a été faite. Et Marie est surprise par la nouvelle qui lui est donnée. Et puis, l'ange lui annonce qu'elle allait porter en elle le Messie, qu'elle allait porter le Fils de Dieu et le mettre au monde. Et il lui donne un exemple également, comme quoi que rien n'est impossible à Dieu. Elle-même, elle se demandait comment cette chose-là va arriver. Premièrement, oui, elle est fiancée à Joseph, mais elle n'habite pas avec lui. Et dans Matthieu, le contexte indique qu'ils n'ont pas été intimes. On n'a pas été ensemble. Comment est-ce que je pourrais avoir un enfant? Et, ça nous dit au verset 34 de Luc, au premier chapitre, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Et là, ici, c'est le terme de l'intimité, n'est-ce pas? Parce qu'elle était déjà fiancée à Joseph. C'est pas qu'elle connaissait pas d'homme, mais elle ne connaissait pas intimement d'homme. Comme ça, elle ne pouvait pas être enceinte. Comment cela pourrait-il se faire? Et puis, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et là, lui dit ce qui est arrivé avec Élisabeth. Élisabeth qui était vieille,
qui était avancée en âge, qui avait été stérile tout ce temps-là, qui était pour elle un opprobre, le fait qu'elle a été stérile, et lui annonce justement qu'Élisabeth, ta parente, au verset 36, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui est appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Mais ici, l'ange utilise une autre situation qui est complètement impossible pour les hommes. Dans sa vieillesse, elle est avancée. Elle a passé l'âge d'avoir des enfants par ce temps-là. Et puis, Dieu intervient. Voyez-vous, il n'y a rien d'impossible avec Dieu dans ses interventions et dans l'accomplissement de sa parole ou dans l'exécution de sa volonté. Et ici, c'est ce qu'il donne comme exemple à Marie, comme quoi, même si tu ne connais pas d'homme, tu vas porter le Fils de Dieu. Tu vas avoir un enfant. À l'exemple d'Élisabeth, qui, elle, qui était dans sa vieillesse, que la cause était perdue, parce qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Elle porte maintenant un enfant. Et ça, c'est un bon rien. Pour ma part, c'est un bon rien. Hein? Il est bon qu'il n'y ait rien d'impossible avec Dieu. Et c'est quelque chose qu'on doit reconnaître. Frères et sœurs, il n'y a rien d'impossible avec notre Dieu. On doit clarifier une couple de choses. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu, rien qui contredit son caractère, qui oppose son caractère, qui oppose qui il est. Parce que la parole de Dieu est très claire. Il est impossible pour Dieu de mentir, parce que ça va à l'encontre de son caractère. Mais il n'y a rien d'impossible pour Dieu pour intervenir dans quelle que soit la situation qu'on peut se trouver ou dans l'exécution de sa volonté. Et sa volonté ne se tend pas vers le mal, mais elle se tend vers le bien. Lorsque Dieu parle qu'il va porter un malheur, ce n'est pas le mal. Pourquoi? Parce que c'est l'exécution de la justice. Autrement dit, un homme peut tuer un homme, et ça c'est mal, la parole de Dieu condamne les meurtres. Mais par contre, dans un jugement de cet homme-là qui a mis un homme à mort, qui est condamné à la mort à cause de son action, le mettre à mort n'est pas mal, mais c'est l'exécution de la justice. Dieu n'agit jamais avec le mal, par mal. Il exécute toujours la justice. Et c'est pour ça qu'Abraham pouvait s'en remettre à Dieu lors du jugement de Sodome et Gomorre. Est-ce que le juge de toute la terre ne fera pas ce qui est juste? Il savait que Dieu allait faire ce qui est juste et non pas ce qui est mal. Donc, c'est dans cette optique-là que la parole de Dieu nous dit « Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. » Et ça, pour moi, c'est un bon rien. Dieu exécute ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Regardez ce que ça dit dans Ésaïe 46 au verset 10. Je vais juste vous le lire. Ça nous dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Dans Ésaïe, encore une fois, au chapitre 55, au verset 11, excusez. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et la raison, c'est parce qu'il n'y a rien d'impossible également. N'est-ce pas? Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Et c'est pour ça que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu déclare des choses, lorsqu'il annonce des choses, elles vont venir au passé parce qu'il n'y a rien d'impossible avec lui. Donc, nous avons cette assurance-là dans nos cœurs. Lorsqu'on considère ce bon rien-là,
du fait que rien d'impossible avec Dieu. Il y a une assurance dans notre cœur que tout ce que Dieu a déclaré, tout ce qu'il a promis, va venir au passé, va s'accomplir. Autant qu'on voit les actions dans les choses passées, autant également dans les choses qu'il a déclarées qui sont encore à venir. Et une de ces choses-là, frères et sœurs, c'est certainement le fait de ce qu'il a préparé une place pour nous. Et certainement le fait qu'il nous a restaurés avec lui dans le dessein éternel qu'il a mis à exécution en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle et nous allons recevoir un corps nouveau. Et ça, frères et sœurs, c'est un encouragement. Le fait que Dieu, il n'y a rien d'impossible avec lui. Excusez. Regardons ensemble une couple d'exemples. On voit l'exemple de Sarah, si vous voulez tourner avec moi dans Genèse. Genèse 18. Justement, qui confirme qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Dans Genèse, on connaît l'histoire dans Genèse que Dieu avait promis à Abraham, dans ce temps-là c'était Abraham, mais il avait promis, non seulement la terre promise, mais il lui avait promis qu'à travers sa postérité, que les nations allaient être bénies. Mais ça allait être sa postérité. Et puis, on sait que par le temps que cette promesse-là, avant qu'elle soit exécutée, avant qu'elle soit accomplie, Sarah a eu une idée, vu que ça tardait, et puis une idée qui était complètement charnelle. Elle a dit à son mari, elle dit, « Mais je vais donner ma servante Agar qui va porter un enfant pour cette postérité-là que Dieu t'a promis. » Comme si Dieu n'était pas en mesure d'accomplir sa propre parole. Et des fois, on ressent le besoin de vouloir l'assister, de vouloir lui aider. Mais au lieu d'aider, souvent, ce qu'on fait, nous, ce qu'on fait, c'est bon à rien. C'est bon à rien. Parce qu'on interfère. On fait de l'interférence. On fait de l'interférence envers les plans de Dieu lorsqu'on essaie d'agir de nous-mêmes. Et si Sarah était rendue âgée, n'est-ce pas? Ça nous dit au verset 11 du chapitre 18, « Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. » Fait qu'ils n'étaient pas seulement vieux, parce que vieux, on peut dire, qui est vieux, qui détermine l'âge de la vieillesse, mais ici, ça nous dit, ils étaient avancés en âge. Ce n'était pas simplement qu'ils avaient l'air vieux, mais non, qui agissaient comme des vieux, mais ils étaient avancés en âge. Et ça nous dit, « Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. » C'est aussi simple que ça. La situation était vraiment perdue. Elle ne pouvait plus espérer d'avoir d'enfants. C'était partie de sa tête, complètement. Et tous les deux pensaient que Ishmaël allait être l'héritier, allait être la postérité. Mais Dieu leur a dit non. Ça va être à travers un enfant qui va sortir des entrailles de Sarah. Et Sarah, lorsqu'elle a entendu ce que les messagers ont mentionné, que Sarah allait avoir un enfant, elle rit en elle-même au verset 12. « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? » Ici, on voit qu'il y a deux choses impossibles dans la pensée de Sarah. La première chose, c'est qu'elle est vieille pour avoir un enfant. La deuxième chose, c'est même pas possible pour moi d'avoir des désirs à ce point-là. C'est comme si on a passé l'âge. On a passé l'âge non seulement d'avoir des enfants, mais on a passé l'âge même d'avoir des désirs. Des désirs de cette intimité-là ensemble. On a passé l'âge. C'est ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'elle a dit, « Maintenant que je suis vieille, viens, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Et l'Éternel dit à Abraham, au verset 13, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Elle avait en question, tout simplement, une réflexion qui est très humaine.
Hey, on sait qu'on a passé le temps, là. Et la réponse du Seigneur est, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est la même chose que de dire, il n'y a absolument rien d'impossible, car il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et la réponse est rien. Et ça, pour ma part, c'est un bon rien. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'impossible. Il est en mesure d'intervenir. Il est en mesure d'exécuter sa volonté, d'exécuter la parole qu'il a prononcée. Et je remercie le Seigneur que nous avons une parole que Dieu a prononcée et nous avons une assurance que Dieu est en mesure de l'accomplir. Et c'est pour ça, je pense que de plus en plus, plus on voit le temps avancer, plus que nous avons besoin d'être ancrés dans sa parole et laisser sa parole vraiment envahir notre cœur et puis vraiment s'enraciner dans nos vies pour pas qu'on soit ébranlé d'une manière ou d'une autre, sachant qu'il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'impossible avec notre Dieu. Et ça, regardez ce qu'il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Parce que Dieu est capable d'accomplir l'impossible. Car il n'y a rien d'impossible avec lui. Regardez dans Jérémie, Jérémie fait allusion également qu'il n'y a absolument rien d'étonnant avec Dieu. On va au chapitre 32, Jérémie 32. Et ici, les enfants d'Israël étaient consternés, ils avaient été emmenés captifs. Et puis, Jérémie reçoit une parole du Seigneur d'acheter un champ, de faire l'acquisition d'un champ, d'une propriété. Et puis, ici, ça nous dit que Jérémie s'exprime au Seigneur. À partir du verset 16, ça nous dit, « Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérégia, j'adressai cette prière à l'Éternel. « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Rien n'est étonnant de ta part. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de ta part? Non, rien n'est étonnant de ta part. Et dans la tête de Jérémie, même dans la tête des gens alentour, c'est comme la situation était absolument désastreuse. Le pays avait été dévasté et puis brûlé, la ville était brûlée, les villes de Jérusalem, non seulement de Jérusalem, mais dans Juda, avaient été dévastées et brûlées. Et la situation était perdue. Dans leur pensée, c'était, il n'y avait rien à faire avec ce qui restait. Et puis, ça avait été dévasté non seulement par le feu, mais par l'épée, par la famine et par la peste et toutes ces choses-là. Et puis, le Seigneur adresse la parole à Jérémie. Ça nous dit au verset 26 du même chapitre. 32. La parole de l'Éternel fait adresser à Jérémie en ces mots, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Et c'est comme si Dieu véritablement veut que Jérémie saisisse le fait qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Ça ne dérange pas si la situation a l'air complètement désespérée, complètement impossible. On doit se rappeler qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Et ça demandait, toutes ces choses-là qui ont été faites, comment ça se fait, comment ça pourrait changer, c'est de revenir à la normale, rien. Il n'y avait rien pour eux autres qui pouvait être fait. Mais ils avaient besoin d'être rappelés qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. La main de Dieu n'est pas trop courte.
Il n'y a rien d'étonnant avec Dieu. Et lorsqu'on regarde au verset 37, verset 36, il dit « Maintenant ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » Et puis, regardez ce qu'il dit. « Et maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Voyez-vous, ça me l'air tellement impossible à leurs yeux, mais Dieu dit, « Je vais le faire. C'est ce que je vais faire. Je vais les ramener et puis je vais les restaurer. » Ils avaient besoin d'apprendre ça, mais c'est le fait que le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Le bras de l'Éternel est étendu. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Regardez avec moi dans Exode. On va prendre un dernier exemple. Pas Exode, excusez, dans Nombre. Dans Nombre, au chapitre 11. Dernier exemple, et on regardera les autres bons riz la semaine prochaine. Il y en a au moins une couple d'autres que j'aimerais qu'on examine ensemble. Nombre 11, ici le contexte, le peuple s'est mis à se plaindre, et puis ceux qui étaient parmi Israël et Israël étaient remplis de convoitise, ou ils ont été saisis de convoitise. Au verset 4, ça nous dit « Le Ramessis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire « Qui nous donnera de la viande à manger? » On se rappelle, n'est-ce pas, du récit, on se rappelle des événements qui étaient présents à ce temps-là, les enfants d'Israël, les sortis d'Égypte. Ils avaient vu toutes sortes de miracles, toutes sortes de choses qui étaient vraiment impossibles, mais que Dieu avait accomplies. Les jugements en Égypte, et puis la délivrance à travers la mer Rouge, la provision de Dieu dans leur vie, la manifestation de Dieu. Et puis, ici, ils ont faim. Et ils sont tannés de manger de la manne. Regardez ce que ça nous dit au verset 5. Parce qu'ils ont demandé, qui nous donnera de la viande? À la fin du verset 4, il dit, nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poirons, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Ça, c'est un mauvais rien. C'est sans rien ici. Notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Ils ont commencé à mépriser la provision de Dieu. Ils désiraient les choses qu'ils avaient dans le passé, et dans leur passé, c'est comme si on est dans une situation qui est impossible. Tout ce qu'on voit, c'est de la manne. On n'a rien d'autre. Et puis, l'état de leur cœur était méprisable. Et Dieu en a été fortement déplu, n'est-ce pas? Et même, ça nous dit que sa colère s'est enflammée. Et puis, à travers ça, Moïse a ressenti un fardeau énorme, un fardeau qu'il ne pouvait pas porter par lui-même. Et au verset 10, ça nous dit, « Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. » Imaginez-vous d'entendre ça continuellement, les gens qui pleurent parce qu'ils ont faim, ils veulent avoir de la viande, ils sont tannés, écœurés de la manne, puis quand ils méprisent ce que Dieu a pourvu pour eux. Et puis tout ce qu'ils entendent, c'est ça. Et là, ça nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement.
Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? » C'était un fardeau, un poids énorme sur lui. Et là, il lui dit, « Est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple-là? Hein? » Et au verset 13, ça dit, « Où prendrai-je la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Imaginez-vous, hein? 600 000 hommes de pied, plus les femmes et les enfants, ils sont tous là, « Moïse, donne-nous de la viande. » Pour rien qu'il pensait que c'était un fardeau qui était au-delà de lui-même. Et ça nous dit, au verset 14, « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Imaginez-vous, Moïse était rendu au point tellement, dans un sens apesanti, attristé, tellement découragé de la situation qu'une multitude lui demandait de la viande qui était dans l'impossibilité lui-même de pourvoir. C'était une situation qui était impossible. Parce que regardez la réflexion de Moïse par la suite. L'Éternel va dire à Moïse de se prendre des hommes avec lui pour aider à porter, 70 hommes pour aider à porter le fardeau. Et puis le peuple continuait de se plaindre, hein? Il y avait du dégoût pour la manne, il avait rejeté l'Éternel, et puis là, il se demandait encore une fois, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse, t'es responsable, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Hein? Tu nous as emmenés dans cette situation-là, pitoyable, dans une situation qui est impossible. On pensait d'avoir du lait, le lait et le miel, tout ce qu'on a, c'est de la manne. Hein? Tout ce qu'on a, c'est quelque chose qu'on a du dégoût pour. Au verset 21, ça nous dit, Moïse dit, parce que là, le Seigneur lui avait dit, au verset 18 auparavant, excusez. Au verset 18, il dit, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les oreilles et que vous en ayez du dégoût. Imaginez, il avait méprisé la manne, là, ils vont avoir du dégoût, ils vont avoir un mépris même pour la viande qu'ils avaient demandée. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? » Et là, au verset 21, Moïse, lorsqu'il entend ce que le Seigneur lui dit de dire au peuple et qu'il a dit au peuple, lui-même a des questions. Moïse, qui a été utilisé par Dieu pour faire de grandes choses en Égypte avec les 10 plaies et puis à travers la mer Rouge et ces choses-là, Moïse qui a vu la gloire de Dieu. Ça nous dit ici, Moïse dit au verset 21, « 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Et gardera-t-on... » Là, il est comme, « OK, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on va égorger pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou est-ce qu'on va rassembler pour eux tous les poissons de la mer, tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? » Moïse, c'est comme s'il avait oublié que Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'il pouvait s'imaginer. C'est comme si Moïse, il retombait à ses propres moyens de dire, « Mais comment est-ce qu'on va s'arranger? OK, on a des brebis, on a des bœufs, est-ce qu'il faut tous les tuer pour essayer de nourrir cette multitude-là, pendant un mois de temps. Oh ben non, on va prendre toutes les poissons de la mer, on va les emmener et on va les nourrir avec ça. » Et la réponse du Seigneur, c'est l'Éternel répondit à Moïse au verset 23. « La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? » Et c'est ce que Jérémie, plus tard, nous dit, n'est-ce pas? Il dit, c'est par ton bras étendu. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Le bras de l'Éternel est étendu. Il n'y a rien
d'étonnant avec l'Éternel. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Et puis, on connaît ce qui est arrivé. La parole de Dieu est venue au passé. Au verset 31, ça nous dit, « L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui emmena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. » Imagine une journée de chemin, tu peux en marcher, là. Tu peux marcher, là. Une journée de temps, tu en fais du mélange. Il dit, il a répandu cette nourriture-là. Il y en avait près de 2 coudées. Une coudée dans les Écritures varie entre 18 pouces et 22 pouces, dépendant de la coudée qui est utilisée. C'est à peu près pas loin de 3 pieds de caille pendant une journée de temps, une journée de marche à la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Et celui qui en avait ramassé peu en a pas manqué, celui qui en avait ramassé beaucoup, il n'en avait pas trop. Et puis, malheureusement, même suite à ce grand miracle, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre eux. Il les a frappés d'une grande plaie. Malgré qu'ils avaient pourvu à leurs besoins, mais dans leur cœur, ils étaient incrédules. Et Dieu a jugé leur incrédulité. Mais leur incrédulité qui les a plongés dans la convoitise. Donc, c'est pour ça que je crois que prendre une leçon et de se rappeler, de reconnaître les bons riens que les Écritures nous parlent. Et le premier de ces bons riens-là, qu'on pourrait dire, c'est le fait qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Qu'on apprenne également, nous, de notre part, que notre Dieu est en mesure d'exécuter et d'intervenir dans n'importe quelle situation, autant que cela peut nous sembler impossible ou invraisemblable. Dieu est en mesure d'intervenir et d'exécuter sa volonté. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien d'impossible. C'est pour ça que le Seigneur nous parle. Il n'y a rien d'impossible lorsqu'on prie, lorsqu'on demande de quoi? Selon sa volonté. Parce que celui qui répond, il n'y a rien d'impossible pour lui. Et sa main n'est pas trop courte. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Alléluia. Ça, c'est le premier des bons riens. Et on regardera une couple d'autres la semaine prochaine. Et puis, au plaisir de se revoir ce soir pour ceux qui le peuvent, sur notre rencontre Zoom. Et puis, on va terminer ça comme ça. Père, on veut te rendre grâce encore une fois que tu nous instruis, tu nous enseignes dans ta parole. Tu ne peux pas mettre aucune limite à ce que tu peux faire, parce qu'on voit très bien, à travers ta parole, qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. On te rend grâce au nom de Jésus. Amen.